secondes. Et voilà, ils sont partis. À l'intérieur, nous avons Posse Comitatus qui s'élance en tête. Très bon départ de Baia aujourd'hui. Captain Tempest s'amène tranquillement à l'extérieur de Posse Comitatus. Va courir en troisième position. Alors, Posse Comitatus en tête de la course à l'extérieur de Baia. Puis nous avons le grand favori Captain Tempest suivant à une longueur demi, Read My Heart, en dernière position. Teenager. Les chevaux n'ont plus que 1300 mètres environ à parcourir. Posse Comitatus en tête de cette course avec Captain Tempest à son extérieur. En troisième position, Baia et ses décisions. En quatrième position, notre jockey français. Il s'agit de Stéphane Lajadja sur Read My Heart. Et courant en cinquième position, Teenager avec le Sud-Africain Johnny Gerulis. Les chevaux vont commencer à entamer la descente dans quelques foulées. Voilà qui est fait avec Rai Durowan, le Mauricien, en tête de la course avec Posse Comitatus. Voilà que Teenager s'amène à l'extérieur maintenant avec Johnny Gerulis car son cheval tirait un peu et va prendre le commandement de la course. Johnny Gerulis s'installe aux commandes avec une longueur, deux longueurs maintenant d'avance sur Posse Comitatus. En troisième position, toujours le grand favori Captain Tempest. En quatrième position, prix de vitesse quelque peu se trouve Baia. Et en cinquième position, nous avons Read My Heart. Les chevaux n'ont plus que 500 mètres environ à parcourir. Teenager toujours en tête pour l'instant avec une longueur tout juste devant Captain Tempest qui s'approche sous la monte de Gaëtan Faucon. Posse Comitatus sous la cravache de Radio One. Read My Heart arrive en quatrième position à l'extérieur de Baia. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Posse Comitatus passe à l'intérieur. Teenager a toujours l'avantage. À l'extérieur, nous avons Baia, Captain Tempest. Posse Comitatus va aller gagner cette course alors que Captain Tempest remonte fort. Première victoire de Radio One. Posse Comitatus.